Bonsoir, quoi. On va faire une vidéo sur Résistance, quoi. Allez, non, je déconne, c'est Omeraman. On est sur Résistance en domination avec un gameplay de mon grand frère et malheureusement il n'est pas là pour commenter avec moi. Et vous allez voir, il joue à la M4 en tigre rouge, messieurs dames. Alors, avec impact. Ce qui équivaut à balle fumisée sur MW2. Alors là il va commencer au petit pré-shot, hein, tranquillou. Voilà, petite triple, hein, GG, sympa. Et ouais, c'est vrai, là c'était sa journée, il a fait que des mitrailleurs d'Osprey. Alors il a le Reaper à 630 et Osprey bien sûr. Il tentait la mob, hein, mais il essaie en vain, mais il ne lit pas. Bref. Voilà, vous pouvez voir qu'il a, une petite série quand même. Je crois qu'il a 5, hein, messieurs-là. Et voilà, il y aura beaucoup de gameplay de moi, de mon grand frère et moi, surtout moi, mais mon frère sera là. Et des fois, il sera là pour commenter avec moi, sinon il sera pas là parce que lui, il s'occupe juste de jouer. C'est tout, mais voilà, comme il est un peu plus grand, il travaille et tout. Voilà. Vous pouvez voir, alors il vient de débloquer son Reaper, si je ne m'abuse. Il va le déclencher là, il va s'allonger. Alors le Reaper, vous allez voir, nous on a une connexion en carton, messieurs dames. Vous allez voir que c'est nul à chier. Voilà, 8 marqueurs. 8 marqueurs avec un missile Predator tout dans les... je sais pas combien de millions de dollars. Et ça ne marche pas. D'accord, c'est un peu une merde avec le Reaper, mon frère, non. Voilà, là... il est vraiment nul aussi avec le Reaper. Hein. Bon. Ah là il va s'en enchaîner quelques-uns quand même. Voilà, il en tue un. Il en tue deux. Et ben comme vous avez pu le voir, et ben j'ai proposé cette vidéo à CodeQG. Et ben s'il apprenne, et ben tant mieux pour moi. Et s'il apprenne pas, et ben tant pis, hein, c'est avec choisir. J'avais des boxes en la 630. Hein. J'ai mis l'intro, hein, après juste pour faire un pour relancer ma chaîne, on va dire, parce que comme je l'ai arrêté pendant un mois et demi, et ben les gens ils allaient plus du tout, et ben là j'ai essayé de relancer aussi sur mon compte Facebook dédié à ma chaîne et tout ça. Et voilà, mais si on enchaîne quelques-uns, vous allez voir que depuis le dernier moment, quand ils vont tuer, hein, et ben, il va voir l'Osprey. Et ouais, il fait un très bon score. Je vais proposer genre 2-3 gameplays dans pas longtemps. Là, ils y sont enregistrés. Et aussi, je fais cette vidéo pour faire un peu la révolution des boîtiers d'acquisition qui, avec l'HDPVR qui fait un ravage. Alors que c'est une technologie dépassée déjà parce que c'est même pas avec de l'HDMI, quoi. C'est avec du Peritel, c'est-à-dire le câble jaune, blanc et rouge. Bon, voilà, vous pouvez regarder que l'Osprey n'est inefficace quand on a une connexion de merde. Parce que là il vient de taper 3 assistances et je crois qu'à la fin de la partie il en a une quinzaine d'assistances. Ou même une vingtaine si je ne m'abuse. Et donc je le disais, moi j'enregistre avec mon Naver TV Capture HD qui est une carte PCI qui se met dans son ordinateur fixe. Qui se met dans un port PCI que tous les ordinateurs ont en général sur la carte mère, qui est greffé à la carte mère directement. Et ça enregistre à 60 images par seconde ou à 30 images par seconde, c'est nous qui choisissons sur Xbox ou sur PS3. Bon là j'ai un peu accéléré, hein, parce que ouais, c'est un peu chiant. Sur PS3 ou Xbox ou sur Wii, ou soit vous pouvez enregistrer vos émissions et tout, c'est même un décodeur, vous pouvez regarder la télé avec cette carte. Et ça se fait avec, soit avec le Peritel, soit avec prise HDMI, et c'est ça qui est super parce que avec la prise HDMI, ben, vous n'avez pas à changer votre config. Si vous avez un splitter, ça double le signal réseau. Donc on peut jouer sur notre télé et enregistrer en même temps sans délai de latence sur le PC. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est pour convertir un peu tous les gens qui sont avec les HDPVR. Et aussi, ben, salut à toi Hypno. J'ai pu te voir dans les Hypno 84, le sujet qui est du jour, souvent sur CodeQG. J'ai vu dans les forums de Laveur TV sur jvt.com, j'ai vu que tu l'as acheté, ben, très bon achat, j'ai envie de dire. Et voilà, après vous regardez le résultat et aussi j'ai refait complètement ma chaîne. Parce que là j'ai fait un stage de photomontage et tout pour mon stage en entreprise de 3ème.
Et ben ils m'ont proposé de faire de refaire la présentation de ma chaîne YouTube et ben, j'ai accepté volontiers quoi, parce que en même temps je m'éclate. Et vous pouvez aller voir un peu toutes les modifications que j'ai faites. Ce serait sympa après si vous aimez la vidéo, ben mettez un petit j'aime et voilà, histoire de relancer un peu ma chaîne. Voilà, ils sont bien là. Ils sont peut-être 109, ah, je sais pas combien. Alors il arrive au spawn. Attends, sa petite série, il envoie au fond là. Et après y a des moments où dans le mode studio on voit des ennemis qu'on voit pas quand on joue quand on joue dans le moment présent. Alors des fois on a l'air de gros con parce qu'on voit un ennemi passer devant nous, mais en fait on voit pas vraiment, donc voilà. Ah, et aussi bah, là je suis en train de préparer ma frag movie, j'ai demandé à quelqu'un à la faire, pour ça je vais pouvoir tirer en essayant de faire une frag movie tout seul, mais ça va pas donner grand chose à mon avis, puisque j'ai plein de projets en cours, enfin j'ai un dossier frag movie avec tous mes beaux frags, hein, ça va pas très longtemps quoi. Et voilà, hein, si vous avez des questions au niveau de ma chaîne, au niveau de mon intro, si vous avez des questions, ben n'hésitez pas, je suis là pour ça. Si vous voulez cette carte et que vous voulez plus de détails sur cette carte au niveau logiciel et tout, là je suis là pour vous. Et le copyright pour la PS3, en fait, je reviens sur ma carte d'acquisition, en fait, le copyright, la carte normalement, et ben j'ai pas le droit d'enregistrer avec la PS3. Mais on doit passer par un autre logiciel que le site que le logiciel constructeur, et j'arrive à enregistrer tout en jouant avec VH Capture. Après je peux vous donner le forum d'un gars qui a fait un super tuto. Bon, on va pas m'attarder là dessus hein, ça va vous choisir si vous restez sur votre VHD PVR, si vous voulez convertir avec cette carte ultra sophistiqué. Non je les connais pas sophistiqué, mais bon, c'est largement mieux que ça. Après il faut un ordinateur un peu bon quoi, avec un dual core minimum pour ceux qui se connaissent. Moi je suis avec un core i5 quoi. Ouh, il se les enchaîne en plus. Allez, un deuxième, allez, un deux. Wow, trip non. Et il s'est fait tuer pendant qu'il faisait son hyper, c'est dommage. Vous allez voir là qu'il va descendre, là il va tuer, un gars au bouclier je crois, plein de fois. Ça va mourir. Et aussi il faudrait m'expliquer code QG ou je sais pas, les grands youtubeurs, genre Diablo X9 et tout ça, comment vous faites sur CS5 pour agrandir le haut de votre chaîne en mettant les logos Facebook et tout ça. Ça serait sympa de me dire dans la description comment on fait. Hein. Et aussi, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager sur votre mur Facebook ou à aimer. Et voilà. Là, il remonte. Le raquet est pas mastodonte. Là, il va se diriger pour une petite série. Je crois que ça va être son dernier reaper. Et il va faire une partie assez monstre quoi. En plus c'était genre la cinquième partie qu'il enchaînait en lâchant que des osprey. C'était vraiment sa journée aujourd'hui. Et si vous voulez que je fasse sur d'autres jeux, puisque j'ai une trentaine de jeux chez moi, j'ai un peu de poussière dessus hein. Genre là une Uncharted, Burnout Paradise, je viens d'acheter aussi Need for Speed The Run. Comme moi je suis un fanat de Need for Speed hein, c'est un pur bonheur pour moi, mais après il y en a ils n'aiment pas, je respecte leur choix, mais ça sert à rien dans les commentaires à dire ah t'es trollé, tu veux Need for Speed. Bref, voilà, j'ai plein de jeux quoi, j'ai GTA 4, j'ai Rico, Call of Juarez, et sur PC aussi maintenant j'ai Deus Ex Human, qui est un super jeu, je vais faire ma vidéo découverte dessus. Ça va être assez pas mal, et aussi je vais peut-être faire des vidéos Skyrim. Vraiment... Oh voilà, c'est lui là. Le gars bouclier lui, mais il va le déchirer. Hein. Sans déconner, il va le... Voilà. Allez, trois fois d'affilée.
Oui, messieurs, dames. Je vois du respawn sur Call of Duty. Qui n'est pas réglé depuis... Bah, depuis Call of Duty 4, j'ai envie de dire. Ouais, Call of Duty 3, c'était marrant aussi, la respawn. Voilà, bon, il est un peu trop gourmand, il fait directement son Reaper alors qu'il a spawn derrière lui et à se faire niquer. Et voilà. C'est niqué. C'est niqué. Oui. L'UM, il persiste et là, il lâche son Reaper. Et pour la dernière fois, puisqu'il y a 191. Voilà, hitmarker, normal. Oui, hitmarker. C'est vraiment ça hein, quand t'as une. Bon, d'accord, là, il s'est foiré, mais quand t'as vraiment une connexion de merde. Même que t'es un. Que t'es une moab ou un truc comme ça, ça tue rien quand t'es une connexion. Oh, j'ai la vie. Et là, hitmarker, messieurs dames. Un missile Predator avec un gun normal, ça fait hitmarker. Et là, assistance. Et c'est la fin. Et je vais vous dire ciao et à la prochaine. Aimez, subscribe, people. Et bah. Salut, Jean. Et. Ciao, ciao, bon visionnage.